Ah, le travail est devenu compliqué, les amis. Facebook m'a enlevé certaines fonctionnalités là. Je comprends pas trop pourquoi. Ramène-moi les appareils là et tu fermes ma porte, s'il te plaît. Tu as apporté ton. Le casque, tout. Hein? Ok. Le téléphone? Ferme alors ma porte, s'il te plaît. Bonne nuit. Le nez, le petit a les nez. Parce que j'ai pris les appareils. Est-ce qu'on peut liker, partager le live et tapoter, s'il vous plaît? Attendez, je lance mon live aussi. Sur. On va décrypter. Voilà. On va décrypter le Bunny Gates. Ça a cru, oh! Ça a cru, ça a cru. Est-ce qu'on peut tapoter? Est-ce qu'on peut liker, partager le live? Likez le live, partagez, envoyez les cœurs, envoyez-moi les étoiles dès le début du live, s'il vous plaît. Parce que je n'ai pas envie que ce soit trop long. Voyez, non. Je sais que vous aimez mes lives, vous savez que c'est un Azana goût, mais live, il y a le goût dedans. Oui, le décryptage de ça, c'est la muerte. Donc, pour que ça ne soit pas trop long et fatigant, envoyez les étoiles tôt, comme ça on finit avec. On finit avec. Bonsoir, tu es très jolie. Bah, merci. Oh, écoute, si tu aimes ce que tu vois, partage avec les autres. Sois pas égoïste. Hein, tu vois ce que je veux dire? Attendez, vous mettez un peu de musique en attendant que j'ai le chiffre que je veux là d'abord. Pour au moins me donner le chiffre que je veux, non? Hein? Voilà. En partageant, en likant d'abord. Quand vous arrivez, avant de rentrer dans le live, vous le likez. Vous le partagez, ensuite vous pénétrez le live et vous commencez à envoyer les cœurs massivement. C'est comme ça qu'on aura des bons résultats. La page est très restreinte. Il y a une révolution qui est en train de se produire sur la toile camerounaise. Une réelle révolution. D'accord. Vous pouvez constater maintenant sur cette toile les qui sont là pour chercher l'argent sur le dos des pauvres et les qui sont là pour apporter un réel changement, pour apporter un plus dans la vie des Camerounais. Une seconde, il y a un problème là. C'est même pas ici que ça doit jouer. La chaîne de 4000 abonnés maintenant est dédiée à ma création visuelle. Et la chaîne la plus récente qui est de 1500, quelque chose comme ça, celle-là est dédiée à la musique uniquement. Donc, abonnez-vous aux deux. Oui, pas toujours. On fait les lives. Moi, je ne vais pas arrêter de faire mes lives parce qu'il est en live, tu vois. Mes scarabées sont censés être ici quand je suis en live. Même s'il est en live, ils sont censés me suivre d'abord. Donc, je vais faire mes lives, même s'il est en live. Si j'ai prévu de faire mon live, je fais mon live. Donc, c'est à eux de savoir où ils veulent aller. Si je me calque sur lui et que demain, lui et moi, ça finit, on fait comment? On s'arrange comment? Tu vois? On ne peut pas être interdépendant à ce niveau-là. Chacun son travail. Chacun doit avoir ses gens d'abord qui sont là
pour nous. Je dis que je ne comprends pas pourquoi la musique sort que ici. La musique doit sortir dans le baf. Ça, c'est encore quel modèle ça, dit-on. Ah, c'est pas bon, là. La musique doit sortir dans le baf. Ah non. Ça doit sortir là-bas. Attendez. Peut-être que je dois mettre dans la deuxième entrée. Non, c'est pareil. Allô. C'est pareil, la musique sort toujours ici. Sur l'ordinateur. Ça devrait sortir là-bas, du même baffle d'où là je sors en fait. Je comprends pas. Ça m'empêche de travailler là. Ça veut dire que je peux même pas avoir le son dans mes dans mon comment on appelle ça. Ça veut dire que je n'aurai pas le son dans mon casque. Ça, c'est pas possible. Allô. Ouais, ça sort pas là. Je l'entends pas. J'entends pas la musique dans mon casque. Ça. Allô. Allô. Ouais, ça sort toujours dans l'ordi. Punaise. Waka. Oh. Chaque fois, ça, c'est je sais pas. Il y a des jours, ça marche bien. Et là, je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi ça ne sort pas dans le baf. Bon, j'ai activé le Bluetooth. Ça va faire une différence. Non, si le Bluetooth n'est pas connecté. D'habitude, j'ai pas besoin de connecter mon Bluetooth au baf parce que ça sort directement de... Ça sort directement de la carte son. J'ai mal branché. Bah non, si j'avais mal branché, je m'entendrais pas. Attends un peu, ça c'est qui? 81 personnes qui regardent. C'est comment t'as défabriqué? Si on m'avait défabriqué, est-ce que tu serais ici, triple idiot? On peut pas défabriquer quelqu'un. Si tu es fabriqué, tu es fabriqué. On défabrique comment? Idiot. Vous pouvez l'avoir fabriqué quelqu'un. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez rien créer. Pourquoi tu es ici, toi? Vous êtes fatigué de signaler les pages des gens. Vous êtes fatigué. Coucou Valoche, pourquoi tu leur réponds même, Patricia? Faut laisser les conneries là. Faut laisser les imbéciles là qui n'ont rien à dire. Toi, tu te balades, tu t'es perdu ici. Tu fais quoi ici? Pourquoi tu es là? Tu n'as pas mieux à faire? Donc, tu vois que je ne peux jamais être défabriqué. Yes, je vois le même nombre que vous. On est à 167. Je ne peux jamais être défabriqué, frère. C'est mort, c'est à vie. C'est fini comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai réellement du talent. Contrairement à tous les déchets de la nature que vous suivez ici sur les réseaux sociaux. Oh, merci, Patoucho. Merci pour mes étoiles. Comparé aux déchets de la nature que vous avez ici, là, que vous suivez ici sur la toile, merci de m'avoir remis dans le sujet. C'est très bien. On va pouvoir commencer là. Là, tu m'as chauffé, là. Tu m'as mise dans l'état qui me manquait. Quand il vous dit que je ne bloque pas les haters, je ne vous bloque plus parce que des fois, j'ai la flemme de parler de vos saletés, là. La vérité, c'est que vos bêtises, là, dans la vraie vie, là, ça ne peut jamais m'intéresser. Dans la vraie vie, vos conneries là, ça peut jamais m'intéresser. Mais on a besoin de descendre dans la boue avec ce que vous suivez là pour aller chercher les âmes, sauver les âmes qui se sont perdues. Merci.
Si Jenny, vous avez déclenché le groupe d'étoiles, est-ce qu'on peut bombarder les étoiles? On finit avec. Fermez la bouche au morpion qui est venu me parler là, s'il vous plaît. Il faut 1800 étoiles. Vous êtes 200 personnes actuellement. Vous cliquez sur l'arbre à lien. Tout est fourni pour votre plaisir. Vous prenez les étoiles là-bas. Dans acheter les étoiles moins chères. Dans l'onglet acheter les étoiles moins chères. Vous revenez les envoyer. Et on finit avec. Comme ça, on continue le live. Le live ne va pas dépasser une heure. Je vais vous régaler. Comme ça, vous allez revenir régaler encore, 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 encore. Comme vous voulez. Voilà. J'aime quand les étoiles se déclenchent vite comme ça là. On finit avec. Et puis, j'ai la lassitude maintenant d'enchaîner seulement. Je vais tout droit. OK? 4 minutes, 1800 étoiles. Je disais que dans la vraie vie, là, moi, j'étais vous là, je ne peux jamais allumer mon téléphone pour écouter les conneries que vous écoutez là. Je ne peux pas. Merci Valoche pour mes 200 étoiles. Il manque 1600. Toi d'abord, tu es un déchet. Regarde, tu dis qu'on m'a défabriqué. C'est ma photo que tu as en profil. Si tu mets cette photo-là en profil, c'est parce que tu sais qu'on va me reconnaître. Tu vois un peu? Tu n'as pas le courage de mettre ta tête. Tu mets ma photo en profil et tu mets le nom de quelqu'un d'autre. Tu utilises le nom d'une autre personne connue pour cogner les têtes. Vous êtes des vrais sorciers. Tant que tu es conscient, quand tu n'es pas fabricable. Donc, moi, on m'a fabriqué. Hein? Qu'on te fabrique aussi un peu, comme ça tu peux t'afficher avec ton nom sans aller prêter le nom des gens. Merci ma milliardaire, merci Baloche. 1400 étoiles, il manque. Maman, Jenny Freezer, tu m'as tué 48. Je n'ai jamais vu ça. Toi-même, tu as écrit 48 ou bien c'est ton fond de caisse comme ça là qui est sorti. Merci Jenny. Tout le monde s'y met. 1400 étoiles. Si tout le monde s'y met, on finit avec et on commence le live dans les profondeurs. Parce que je me suis baladée aujourd'hui. J'étais dans le live de Maté, ma soeur de Bapu Tchengale. Ça ne chauffe même pas un peu. Les ancêtres ne m'ont jamais menti. Jamais. Maté m'insultait ici tous les jours. Il disait Maté que moi, je ne veux pas te bloquer. On va régler ça au village. Je ne veux pas te bloquer. Tu vas rester sauf que là. Oh, non, mais. 1000 étoiles dans ma gueule. Oh, la milliardaire Faroto. La milliardaire Patoucho. Elle a commencé le travaillement. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'elle va s'arrêter? Oh, oh, oh. Ne profitez pas de la milliardaire pour rester derrière. Ne profitez pas de la milliardaire. Ne soyez pas comme Lolo Pipi, éternelle profiteuse derrière les gens. Ne soyez pas comme Lolo Pipi, éternelle profiteuse derrière les gens. Demandeuse d'argent dans les IB des gens. Ne soyez pas comme Guneux, éternel assisté depuis l'an 72. Assisté pour tout, même les garnitures, vous allez bientôt cotiser pour leur donner. Même les garnitures, bientôt vous allez cotiser pour donner aux femmes là. Surtout Lolo Pipio, maman, comme un pissoli là, comme un pissuel là, maman. Il lui faut les couches. Merci ma BS même, Justine Gore. Voilà, toujours en poste. Il manque combien d'étoiles, s'il vous plaît? J'ai arrêté de compter parce que vraiment, la talakou de ça, la talakou de sur nous maintenant. Ne soyez pas comme les éternels assistés de la toile depuis l'an 72. Depuis 1972, on cotise pour Elman. C'est quel genre de misère qui finit pas. Il reste 50 secondes. S'il vous plaît, validez les étoiles qui restent. Je crois qu'il reste peut-être 200 étoiles comme ça. Je ne sais pas trop, 200 ou 300. Oui, 100, on vient d'envoyer 100. Il faut encore, merci Patouchou. Il faut encore 40 secondes, mettez 200 étoiles, je crois, 30 secondes, 200 étoiles, pardon, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. On ne va pas tout gâter, voilà. Oh, 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 non, ben, oh, 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 la tête cassée en place, oh, la team qui a pris le pouvoir sur la toile, oh. Il est écrit dans la Bible que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront quoi? Lépreux. Est-ce que vous vous rendez compte que ceux qui sont en train de monter en puissance à l'heure actuelle où je vous parle, c'est ceux qu'on considérait comme les derniers sur la toile. Ne vous avais-je pas prédit? Ne vous ai-je pas dit
que si vous m'écoutez, vous verrez la gloire. Vous verrez la gloire de nos ancêtres sur vous. Ne vous ai-je pas dit? Oh, oh, oh. Hey, hey. I don't mean talk for una foya. Je vous avais dit quoi? Prédiction que j'avais d'abord fait, que juste fait. Oh, français sur vous maintenant. Français sur vous maintenant. Wow, français. Soit et c'est quoi? On prend les papiers et les stylos maintenant. Voilà. L'Éternel est notre berger. Nos pages ne souffriront de rien. Nos pages ne souffriront d'aucune visibilité car l'Éternel est notre berger. Ne vous avais-je pas dit? Vous pouvez continuer d'envoyer les étoiles. Ce n'est pas parce qu'on a validé. Ceux qui n'ont pas encore envoyé, là, vous pouvez envoyer aussi. Vous pouvez venir cotiser pour vous ici. Là, vous avez cotisé depuis 72 pour les mêmes affamés. C'est au même point. On vous demande toujours à manger. Vous ne vous fatiguez pas. Les seuls pour qui on doit continuellement cotiser, ce sont les veuves et les orphelins. C'est pour eux qu'on doit continuellement cotiser. Oui, parce que eux, les orphelins surtout, ne travaillent pas. Ce sont des enfants. Ils ne peuvent pas subvenir à leurs propres besoins. Et ils n'ont plus de parents pour le faire. Les veuves, surtout qu'elles ont beaucoup d'enfants, elles ont subi un accident de la vie. Quand ton mari meurt, ça ne prévient pas. Quand vous êtes dans un couple, vous êtes deux. Donc quand tu te retrouves seul du jour au lendemain, tu ne peux pas avoir le même rythme de vie. Donc les orphelins, les veuves, même dans la Bible que vous regardez là, vos livres religieux là, hein, c'est dit que tu dois soutenir. Ça fait partie des choses que tu dois faire pour être béni par Dieu. Soutenir la veuve et l'orphelin. On n'a jamais dit que venir soutenir les bordels qui ont fini de vendre leur poitou partout dans tous les camions ici là en Bain. Et rien de bon. Vous avez fait quoi avec tout l'argent là? Non mais parlons peu, parlons vrai. Vous avez fait quoi avec tout l'argent là? Moi je continue de vous dire que je ne juge pas le piment. Moi-même je vends ma part là-bas sur OnlyFans. Ça ne chauffe même pas. Donc ceux qui ont les moyens, parce qu'ils n'ont pas les moyens de circuler, puis ne venez pas parler des choses des bobos, parce qu'il y a les choses qu'il n'y a que les bobos qui ont le droit de regarder. Vous voyez un peu, non? Ça là, c'est le corps des bobos, c'est le corps des white milliardaires. Pas les white comme les planteurs que celle de Kribi là a là-bas à Nantes. Ça, c'est pour les vrais. Voilà, pas les ploucs. Sur OnlyFans, ceux qui sont curieux, vous cliquez sur l'arbre à lien. L'arbre à lien, disponible pour vous aussi sur TikTok dans ma bio. Vous cliquez sur l'arbre à lien, c'est le lien tout au fond avec l'icône moins de 18 ans. Voilà, si tu as une carte bleue qui décaisse, hein, pas les gens. J'ai entendu de ces choses chez Marthe et aujourd'hui je suis dépassée, Seigneur. Oh, où commencerai-je? Où commence-je? Où commençons-je nous? Oh, j'ai entendu de ces choses aujourd'hui. Maman. Maman, attends, il y a les commentaires, je dois répondre, s'il vous plaît, c'est important. Aïe! Comment tu peux faire ça? C'est vous qui donnez même les balles pour que tu sur vos conneries là. Vos conneries. Attendez, branchez mon téléphone, il va vous traiter votre fuck up. Comme vous n'avez pas pitié de votre corps là, il va vous donner ça. Voilà, j'ai arrangé un truc sur mon téléphone. C'est bon, je suis à vous. Attendez. Va au diable, dis donc. Tu es une mal baisée. Criquet est très belle. Mais va la Mbinda, non, parce que c'est elle qui est mal baisée. Hein. Elle est très belle. Va la Nyoxé. Parce qu'elle n'est pas satisfaite. Tu parles de mal Mbinda. Entre elle et moi là. Qui a l'air d'être mal Mbinda? Qui se bonifie avec le temps? Qui de nous deux se bonifie? Qui s'embellit? Qui explose de joie malgré toutes les difficultés, malgré tout le sabotage que vous mettez sur moi? Qui est toujours en joie? Qui est toujours souriante malgré les agressions, malgré tout? Qui? Eh bien, c'est moi. C'est moi. Parce qu'on me niaise bien. J'ai 53 cm, motherfuckers. Comment tu veux que je sois Mbinda? Pour vous-même aussi, dites-toi les choses qui sont censées, non? Hein? Comment elle peut être mal Mbinda avec un sportif de 53 cm? Parce que si elle n'était pas sportif, on pouvait dire que peut-être ça ne se wake up pas.
il ne boit pas, il ne fume pas. Le sport de ça, le cardio de ça. Hein? Il a le souffle partout. Partout. Mon petit père, mais ne viens pas mal. Faut me chercher. Il n'y a pas gros vent qui va mettre le frein entre nous. Tout est lisse comme ça là. Donc quand il me dépose dessus, mon petit gabarit facile à garer, si quand il me dépose dessus, c'est fire. Moi, je peux être Mandinda. J'ai tous les outils, frère. J'ai les épaules larges de mon yandom pour m'agripper quand je chevauche de 53 cm. Tu me parles de quoi? Je peux être Mandinda. C'est sa part de gars qui lui arrive ici au rang. C'est lui seul qui a le belet devant là-bas. C'est lui seul qui ne sait pas Mbinda. Parce que s'il savait Mbinda, là, c'est qu'elle ne coupe pas de elle. Les noirs qui n'ont pas les dos dehors. Par exemple, mon gars, c'est un gay, mais vous savez, il y a un dinosaure. C'est pour ça qu'elle lui donnait l'argent, non? C'est pour ça qu'elle lui donnait l'argent. Parce que c'était une vraie coco, là. Elle est partie chercher aussi les noirs qui ont l'argent, qui peuvent aussi lui donner. Si elle était trop mou, elle partait chercher aussi un noir qui peut lui donner. Quand tu es trop mou, et que tu es cupide, cherche-toi un noir à ton frère qui va là-haut. Là où tu sais que bon, il a les dos et puis on va bien me niasse. Ok? Tu ne pars pas là où bon, je vais avoir un peu les dos. Parce que ça, c'est pas les dos, ça. Ça, c'est pas le dos. Ok? Nous, on a quand même les vrais dos dans notre jeunesse. On n'a même pas encore un enfant. Oui. Avec qui on aurait pu faire notre vie. Mais comme ce n'était pas là où le cœur battait, on a dit que non, moi, il ne peut pas me condamner ici, là. Hein? Oui, il aimait un peu, mais il savait que ce n'est pas suffisant pour rester avec toute ma vie. J'ai dit non. J'ai dit non. D'accord? Donc, foutez le camp aux gens. Ok? Moi, je suis bien Binda. Et c'est visible. Hein? C'est pour ça qu'il ne peut pas faire une semaine sans voir mon gars. Ça n'existe pas. Même quand vous ne nous voyez pas, sachez que nous, on se voit, on se gnoque, c'est bien. Ce n'est pas tous les jours qu'on veut vous montrer ce qu'on fait. Ok? Il y a des petits moments où on veut rester entre nous. C'est là que vous êtes là, vous agitez sur la toile. Oh, c'est déjà fini. Jusqu'en Guinée, va passer les coups de fil. Oh, c'est vrai qu'il est parti. C'est vrai, il est parti. Hey, 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 hey. Maman, la honte de ça. Qu'entends-je chez Maté? Qu'ai-je entendu? Oh, Mador, casse au bout de Nassik. Voilà ce que j'ai retenu là-bas. C'est un bout de nassique. Pour ceux qui n'ont pas suivi le live, viens vous faire le petit topo. C'est-à-dire que Madoka, c'est au bord des larmes. Quand elle pense à toute son énergie, toute sa sueur, tout son bavardage qu'elle a versé sur la toile, qu'elle pensait que oh, j'ai la relation, j'ai l'ami qui est fille de commissaire. Elle ne connaissait pas que le côté priseur qui est à la fin là, ça voulait dire Chinda. Elle ne savait pas. Et hey, avant de venir parler fort sur mon live, tu partages. Si tu n'as pas partagé, tu n'as rien à dire. Tu as compris, non? Si tu n'as pas partagé, tu ne vas pas donner les commandements ici. Tu te crois où, là? Hein? Les scarabées, la tête cassée et les sympathisants, ils vont venir faire le taf. Et toi, tu vas venir cougna et tes morpions gratter ça sur ma page. Si tu n'as pas travaillé, tu la fermes. Tu te contentes de ce qu'on veut bien te donner. Tu comprends? Voilà. Après, vous allez partir. Elle est insolente. Vous n'avez pas dit comment vous parlez aux gens dans la maison. Tu entres chez moi, tu veux me donner le volume. Tu veux me dire le volume que je dois mettre. Tu veux me dire ce dont je dois parler. Oh, merde. Où en étais-je? Je disais, Madoka dit que moi, femme de tout un ingénieur, je suis venue ici là salir mes mains. Je croyais que oh, j'avais la relation. Go, oh, j'ai entendu commissaire. Je croyais que c'était la relation comme ça. Elle ne savait pas que commissaire priseur, c'est les awacheurs. Ce sont les gens qui vendent les biens des pauvres familles qui n'ont pas réussi à payer leurs dettes. C'est-à-dire que si tu as les dettes de loyer, que le bailleur te met dehors. Hein? Et qu'on doit saisir tes biens pour payer tes dettes. On envoie l'huissier. L'huissier, maintenant, son chinda, c'est le commissaire priseur. Le commissaire priseur, lui, comme il ne gagne pas beaucoup dans l'arnaque, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir les gens au quartier. Ils s'arrangent entre eux. Si lui-même veut racheter un truc, il va donner à quelqu'un au quartier. La personne vient pendant les enchères. C'est lui qui tape le marteau, là, qui dit qu'adjugé est vendu ici. Donc, certains le choco pour qu'ils adjugent chez lui. Pour que lui, il adjuge à leur tour.
Ou c'est lui là, besoin comme leur pourrie maison qu'ils disaient qu'ils ont construit tous les jours là. Apparemment, c'était la maison d'un vieux white. Moi, je vous répète seulement ce que moi j'ai entendu. Moi, ne suis plus moi dans les clashs. Moi, je répète seulement. No be na me, I don't talk, eh. No be me. I know about talk no nothing. Moi, j'étais dans le lab, là, moi, je ne parlais pas beaucoup. Hein. Moi, j'écoutais seulement. Parce que moi, tout ce que j'avais à dire, j'ai vomi depuis. Je vous ai dit depuis que tout ça, là, il est doti. Je vous ai dit que tout ça, là, c'est la pourriture, c'est les déchets. Donc, à partir de là, il ne voit pas ce qu'il faut dire de plus. Et ce n'est pas pour insulter, ce n'est que vérité, en fait. D'accord? Toute leur vie, c'est la déchetterie. Regardez comment ils vivent. Pour vivre, ils récupèrent les déchets des autres. Hein? Ils récupèrent les déchets des autres, c'est-à-dire que ils se nourrissent de la misère des autres depuis la nuit des temps. Lolo Pipi a eu la bêtise de venir se placer ici en live et nous dit comment ça, l'escrotte qui est recherchée en ce moment, l'escrotte de la toile, Mana la Tonganaise alias Tempu Chouenkou, c'est quoi là au Chouenke Fempu, Tempu, quoi là au Paola Cynthia. Hein? Que c'est sa tante, c'est-à-dire que c'est la petite soeur de sa mère. J'ai dit que vous ne pouviez finir que comme ça. Oh. Vous êtes malhonnête depuis les jeunes. Chez papa, oh, papa prenait plaisir à prendre les biens des gens. Il n'y a qu'une qualité de métier que quand tu fais là. Des formations professionnelles, comme les avocats. Tout le monde sait que les avocats mentent beaucoup. C'est pour ça qu'il y a deux types d'avocats. Il y a les avocats de la défense. Il y a les procureurs. En général, ceux qui choisissent de devenir procureurs, c'est ceux qui veulent travailler pour leur pays, pour leur peuple, pour défendre le peuple. Les avocats à la défense, en général, dans les avocats à la défense, il y a encore une division entre... Il y a ceux qui choisissent de ne défendre que les méchants, parce que c'est là-bas qu'il y a plus d'argent. Et il y a ceux qui choisissent de défendre les plus démunis ou bien ceux qui ont raison. Vous voyez que chacun choisit ce que son cœur peut supporter. Donc, un monsieur qui a choisi d'aller débrouiller les gens, vendre les souvenirs des gens sans état d'âme, ça vous donne déjà une idée. Et quand vous regardez sa progéniture, je crois qu'on a pu... C'est clair, non? Il n'y a pas une pour attraper l'autre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. L'autre vient nous dire comment c'est normal que sa tante escroque les gens. Parce que si tu es un bout, on doit t'appeler. On va dire. Voilà, on nous signale, pardon. Est-ce qu'on peut liker, partager massivement, envoyer les cœurs, envoyer les étoiles, envoyer tout ce qui va secourir le live, s'il vous plaît. Parce qu'on nous signale. Parce que là, j'ai regardé, mon wifi est chargé à bloc. Donc, c'est le signalement. J'ai dit que la dictature est terminée sur la toile. Vous l'avais-je prédit, oui ou non? Je vous avais dit ici, ceux qui ont bonne mémoire et qui me suivent depuis, c'est l'oracle. Je vous avais dit ici que Pipi va se gâter avec la reine mère bio, avec Dorcas. La troisième arrive. J'avais prédit trois personnes. Elle-même, je le lui avais dit. Elle-même, quand elle parlait avec elle, je lui avais dit. Parce que quand je reçois des ancêtres, mon devoir, c'est de transmettre. J'ai le devoir de transmettre. Ma bouche ne doit pas... C'est-à-dire, mon ventre, je ne dois pas étouffer avec. Ce n'est pas pour moi. Hmm? Tata Aline, hein, qui l'a amenée là-bas au pays, où là où elle pouvait gratter. Elle, tata Aline, quitte derrière elle. Il ne manque que toi. Quitte derrière elle, ma tata. Si elle est derrière toi, c'est parce que tu as les numéros. Moi, je te dis ça, hoha. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime trop. C'est parce que tu as les numéros, ma tata Aline. Tu ne donnes rien. Ngang. Tu l'as amené là-bas, tu as vu, non? Quand tu es ton affaire de Bobolo, elle était sur toi, elle n'a pas regardé. Mais maintenant, sa tante, elle sort, dit aux gens que oui, si on t'a appliqué, machin. Ça vous prouve donc que même celle du pays là, elle avait sûrement volé aussi l'Angala, vrai, vrai. Ça veut dire que ce que la femme du pays là avait expliqué, ça devait être vrai. Les gélules, où c'était les pilules, où c'était quoi, où? Moi, je ne me rappelle pas. C'est que c'était vrai. L'oracle avait parlé ici. Je lui ai dit ce que j'ai reçu. Je lui avais dit que tu vas avoir les problèmes avec la reine mère bio. Tu vas avoir les problèmes avec Dorcas. Et tu vas avoir les problèmes avec ma pute. Si
ciel est honnête, elle va vous dire. Sauf que à l'époque, je n'avais pas bien lu l'affaire. Je pensais que c'est elle qui allait avoir raison. Je pensais que c'est elle qui allait être la victime. Parce que je pensais que c'était quelqu'un de bien. Donc j'ai vu ce qui allait arriver. Mais je n'ai pas vu tout. C'est que tu vois ce qu'on te montre. Les gens, ceux qui vous partent là, qui vous disent que montre ta main ou bien je ne sais pas, ils vont lire. Non, 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 non. Une vision là, ce n'est pas toi qui commande. Ça vient quand on a quelque chose à dire à la personne. On te donne pour que tu transmettes. Ou même sur toi-même. Toi, tu ne peux pas te lever, décider que bon, je vais voir sur moi ce qui va arriver. Sinon, attends. Sinon, tous les marabouts là seraient riches. C'est ce que tu reçois. Et on te donne ce que tu dois voir. C'est tout. Maintenant, tu ne peux pas tout décrypter aussi. Il faut une certaine sagesse. Et puisqu'on grandit tous les jours, moi, je n'avais pas compris. Mais j'ai vu qu'il allait avoir les problèmes. Et je le lui ai dit. Je le lui ai dit. Vous vous rappelez quand ma pute m'avait agressé dans le live de la petite soeur de l'autre, de celle de Wannabe. Moi, elle appelle Wannabe. Maman, ça fait quand même pitié. Non, 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 non. Depuis, elle disait souvent que je ne vais pas la clasher. Mais je n'ai pas besoin de la clasher. Ok. Je dis seulement une vérité. Je dis, depuis que toi-même tu marches derrière ta soeur, la maman, même ma pute est venue. Je pense que peut-être elle a les abonnés même plus que toi. Maman, depuis là, tu n'as pas réussi à faire 10K. Depuis là, tu n'as pas réussi à faire 10K. Depuis. Hein? C'est là qu'on voit s'il y a le vrai potentiel. Vous avez dit quand même m'a fabriqué, non? Si c'est vrai, ça prouve au moins qu'il a le potentiel. Eh ben oui, écoutez, ça ne fait que 7 mois que je sors avec le monsieur. Et j'ai une putain de visibilité. Bon, toi qui es sorti du même ventre avec la personne, que depuis 10 ans tu es ici sur la toile en train d'acheter ses problèmes, hein? Ta fabrication, ça arrive quand, non? C'est pour quand, ma? Ça a déjà duré. Hein? On peut faire du surplace aussi longtemps? Non, je ne la bloque pas, mon bébé. Je ne la bloque pas. Laisse-la travailler. Elle au travail. Elle ne me gêne en rien. Tu vois que depuis qu'elle écrit, elle se la gère. Laisse-la walk. Elle vient du ciel étoilé, là. Le ciel où il y a les étoiles qui ne brillent pas, là. Elle vient de la voie lactée où les étoiles ne brillent pas. Le ciel brille là-bas quand il y a une étoile filante, ça dit un buzz, vite fait, fion, c'est là que ça brille, tu vois qu'il y a un mouvement un peu là-bas. Autrement, rien ne se passe de ce côté-là. Rien du tout. Obligé d'appeler les gens pour supplier les buzz. Obligé. Hein? Je disais donc ceci, j'étais disante. Je peux avoir les likes et les partages, s'il vous plaît. Merci. Et beaucoup de cœurs. Merci à tous ceux qui envoient les cœurs. Vraiment, vous soutenez la page. Normalement, j'imagine que vous avez beaucoup partagé déjà. On devait être même à 500. Vous confirmez à quel point nos pages, parce qu'il n'y a pas que la mienne, même celle d'Amère Camère, nos pages sont très, 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 très attaquées. Et vous êtes qui m'ont attaqué même sur TikTok. Et là, je suis restreinte. Je ne peux pas faire des lives sur mon TikTok principal. Là, je suis sur mon deuxième TikTok où il n'y a que 1000 abonnés. Donc, c'est pas trop ça. Je disais, quand ma pute m'avait attaqué chez la soeur de l'autre et qu'elle a couru après venir me demander pardon en live là, j'étais dans le live. J'ai entendu quand tu as dit que tu venais me demander pardon et que tu devais appeler puisque je t'avais bloqué déjà. Donc, je savais que tu allais appeler en privé puisque tu l'as dit dans le live. J'ai quand même décroché. Il t'a dit donc que quand tu as appelé, il savait que c'était toi parce que j'étais encore dans le live quand je suis descendue. J'ai décroché pour te donner l'opportunité de montrer aux gens ce que tu es, la bipolarité et ton narcissisme, ta manipulation,
Parce que ce sont les pervers narcissiques qui viennent, ils te frappent et après ils te caressent. Ils te frappent pour maintenir leur domination sur toi. Et après ils te caressent pour te faire croire que non, ils ont beaucoup d'amour pour toi. Tu te laisses endormir par ce semblant d'amour-là. Hmm? Donc je t'ai écouté. Mais est-ce que je t'ai débloqué? Je ne t'ai jamais débloqué. Parce que moi, il t'avait à rire, t'avait à jeter depuis le jour où tu as appelé pour me dire que Diane, que j'ai dit, mais celle-là, elle a craqué ou quoi? Elle me met dans leur saleté, là, leur faux problème là. Et que ça, c'est qu'elle maman, ça. Tu ne peux pas te reposer. Tu cherches les problèmes partout. Et regardez, tous les problèmes. Je dis que la plus bête de Facebook, c'est Lolo Pipi. Tous les problèmes que tu as aujourd'hui, tout ce que tu as perdu, c'est Mbapute. Mbapute est venu comme un rat de marée. Je me demande même souvent si ce n'est pas Gune qui l'a envoyé. Voilà, bilai, taïlai. Regardez un peu l'analyse. Regardez un peu le tableau. Vous vous rappelez qu'à un moment, Mbapute faisait beaucoup la lèche en Gune. Elle faisait beaucoup la lèche en Gune. Oh, Gune, c'était ma reine à la base. Ta reine à la base. Nous, on se souvient quand ma pépé frappait sur sa tête de cochon là. C'est toi qui filmais. C'est ce dont nous, on se souvient. Quand ma pépé grattait sa tête au sol là, ses gros yeux là qui servaient d'amortisseur quand on prenait sa tête pour doser sur le goudron. Nous, on se rappelle que c'est toi qui filmais. Donc, elle est ta reine depuis quand, non, ma? Depuis quand? Hein? Donc, merci Didi Sheps. Donc, je me demande, est-ce qu'elle n'était pas là-bas comme un cheval de Troie? Je crois que j'ai à parler de ça. Que je soupçonne qu'un Guneux l'ait envoyé là-bas en mission pour semer le bordel qu'elle a semé. Parce que souvenez-vous, c'est Mbapute qui ramène les lolomaniocs dans le Bassaguit sans demander l'avis de leur chef. C'est elle qui décide de soulever les lolomaniocs, de s'asseoir sur la sœur de l'autre qui est censée être la générale en chef. Mais Mbapute est devenue la générale en chef devant la sœur de l'autre. C'est elle qui soulève les lolomaniocs pour les emmener dans le Bassaguit, sachant très bien que ça va créer des problèmes avec qui? Patricia Gemel, qui est aussi l'ennemi de Gune. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez même? Est-ce que vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'un Gune fait? On isole la pisseuse à l'idiote là-bas. C'est quelque chose que je ne supporte pas, hein? C'est la bêtise. C'est quelque chose que je ne supporte pas chez une femme, c'est la bêtise. Parce que quand une femme est bête, mieux elle est même laide. Ça va lui éviter de se balader avec son couteau entre les mains. Quand une femme est bête, si elle est un peu belle comme ça, là, c'est le corps qui souffre. C'est le corps qui souffre. Et moi, fous-moi le camp, tu m'appelles quoi, aîné? Qu'est-ce que tu me racontes? Respecter les aînés. Les aînés qui ne se respectent pas, les aînés qui viennent faire la concurrence des perruques avec moi. Tu me parles de quoi? Les aînés qui viennent s'immiscer dans ma vie privée, dans ma vie sexuelle, dans ma vie amoureuse. Quand elle est venue se placer dans les lives pour dire comment moi, mon gars, c'est un menteur. Moi, mon gars est toujours amoureux de Gune. Moi, mon gars m'exploite. C'est le travail d'une aînée venir se placer en public pour me dire ce genre de choses. Alors que la veille, elle encensait mon couple parce que ça donnait la visibilité à sa chaîne de merde. Vous me parlez de quoi? Elle pensait nous exploiter. Et quand elle s'est rendue compte qu'on était des électrons libres et que nous étions dangereux, mon compagnon et moi-même pour elle, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Nous détruire de l'intérieur. Nous détruire de l'intérieur. Maintenant, elle va se coller à sa soi-disant yamseur parce qu'elle elle est toute seule. Parce qu'elle a abandonné à elle-même. Si sa soeur était suffisante, elle n'allait pas être celle qui avait le plus d'alliés sur la toile. Il y a quelqu'un qui avait les alliés comme elle. Parlons peu, parlons vrai. Il y a quelqu'un qui avait les alliés comme Pipi. Il n'y a pas quelqu'un qui avait les alliés comme elle. Vous ne vous demandez pas pourquoi les gens tourbillonnent toujours? Pourquoi les gens vont chez elle après ils partent? Toujours. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a eu les alliés comme elle?
Pourtant, elle est la seule qui a sa sœur sur la toile. Vous deviez être les number uno sur la toile. Étant travaillant en famille. Mais comme il n'y a pas une pour attraper la bêtise de l'autre, vous êtes toujours là. Tchinda à vie. Tchinda parce que vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous n'avez pas le leadership. Vous n'êtes pas des leaders. On l'est dans l'âme ou on ne l'est pas. Ok? Vous avez saisi une opportunité. Derrière ma pépé, tu es la création de ma pépé, pipi. Donc tu es la plus ingrate. Je te décerne le titre d'ingrata. À partir de désormais. Voilà du Cambindo qui est entré dans le live. Tous les jours, il insulte tes longs lolo là. Tous les jours, il nous a dit, c'est comme ta niasse. Que ce soit sur l'écran, que ce soit dans la vraie vie. Mais te voilà, tu vas sur sa page pour m'insulter, pour pleurer là-bas comme tu n'aimes pas. Quoi. Qui peut te respecter? Qui peut te respecter, maman? Tchinda, c'est soufifre, Zaza. Tchinda, c'est lèche-cul. Qui peut te respecter? Moi, qui suis votre soi-disant petite soeur, parce que vous avez décidé que sur la toile, il y a les histoires, c'est la famille ici, là, comme si on est du même sang. Moi, je ne suis pas venue ici avec la famille de quelqu'un. Je ne suis pas votre petite soeur. Je suis une artiste blogueuse. Je fais mon bout de chemin. Je ne vous dois rien. On n'est pas parenté. Aux conneries que vous appelez que aînées. Entre elles, là, elles ont toutes le même âge. Pourquoi entre elles, vous ne dites pas qu'elles doivent se respecter entre aînées? Comme vous voyez mon petit corps, mon mini minor, tout le monde venait m'écraser. Qui vous a menti? Je ne suis pas votre enfant. Ok? Il y a ma famille à respecter à la maison. Si vous voulez le respect, vous sortez de la toile. Ou bien vous vous comportez. Faites des choses qui vont susciter le respect. Ok? Compresseur ne m'a jamais forcé à la respecter. Elle ne m'a jamais dit, je suis ton aîné, respecte-moi. Jamais de la vie. Ok? Elle a posé des actes qui ont forcé le respect. Faites pareil, on va aussi vous respecter. Bande de vauriennes depuis 72. Vendeuse de pépé périmée depuis 72. On est fatigué. Et vous avez dit que j'allais nettoyer la toile, vous n'avez pas cru. Je suis le catalyseur, l'élément déclencheur de tout ce qui est en train de se passer. Ma page, tu as vu la voiture. Je n'ai pas vu, parce que je ne regarde pas. Je ne suis pas les conneries. Et peut-être que tu n'es pas au courant. Je vais te dire quelque chose. En France, il y a ce qu'on appelle les crédits. On paye les voitures à crédit ici. D'accord? Moi, je ne vis pas à crédit. Tout ce que j'ai m'appartient. Ce n'est pas les choses qu'on peut m'arracher du jour au lendemain si je n'ai pas payé. Tu en prie, non? Voilà. Je ne dors pas la nuit en réfléchissant que comment je vais payer le reste de mes dettes. Excusez ma vie. Je répète. On avait insisté, ça n'avait pas été spontané. Vous pensez qu'on n'est pas sur la toile? Elle ne l'avait pas fait spontanément. Les gens ont commencé à parler. C'est là qu'elle est sortie, dit aux abeilles de contribuer. Et on a dû forcer. On a dû insister beaucoup pour que les moucherons là se lèvent pour faire quelque chose. Et Pipi est en train de tomber dans le même piège. J'ai vu qu'elle a envoyé, il n'avait pas fait la pub, hein. J'ai vu qu'elle a envoyé ses Lolo Manioc, ses acheteuses de cartes là, ses voleuses de cartes là, aller contribuer dans un projet qui arrive là sur TikTok. Tu n'importe quoi. Tu penses qu'un gars ne peut demander à ces gens de venir cotiser pour toi? Elle-même, je l'ai vue dans un live, carrément dire que oh, les Lolo Manioc ne partaient plus donner chez les gens, mais donner seulement à ma yamseur et à votre tata. J'ai dit que voilà ça qui commence. J'ai dit que voilà ça qui commence. Comment quelqu'un peut venir dire à la team de quelqu'un d'autre que ne donnez plus aux autres, donnez seulement à votre tata et à votre chef. Ce n'est pas à toi de dire ça. Mais bon, après moi, ça ne me dérange pas. Qu'elle s'auto-détruise. Hein? Moi, ça ne me dérange pas. Votre amitié ne me dérange pas. Est-ce que vous allez vous faire ça dur? Je sais celle qui est déjà à terre. Mais vous allez vous faire ça dur. Et je vais sortir mes pop-corn. D'accord? Je ne peux même pas être dérangée par vos amitiés. Parce que vous pouvez mieux vous détruire de l'intérieur. Donc mieux vous vous mélangez comme vous êtes mélangé là. Et puis vous allez vous faire ça propre. Ça va nous permettre d'économiser nous nos munitions. Quoi un peu? Donc, je disais ceci. J'ai été un élément très très déclencheur. Dans quel sens? Le fait de framponner Guneux, de mettre Guneux en difficulté comme je l'ai fait sur cette toile. Ah, ça, vous pouvez applaudir quand même. C'est un chef-d'œuvre. Vous connaissez le. Le fait d'avoir traumatisé Guneux et que je sois proche de Compresseur, ça a réveillé la TKC qui est endormie. La TKC qui est wise,
parce que ce sont des wise. Ils sont très posés et très stratégiques. Très stratèges. Ça t'est cassé. Franchement, vous dites mon tchakap. À l'époque là, il y a une époque là, quand ils ne comprenaient pas encore bien ce qui se passait, je disais que compresseur était la plus bête de la toile. Parce que pour moi, c'était bête de sa part d'aller faire l'amitié. Pas la paix. La paix, ce n'est pas un problème. D'aller faire l'amitié avec l'autre là. D'accord. Mais avec le temps, quand j'ai vu comment elle est née de nouveau, j'ai dit ouais. Ça a testé. Et puis quand je suis entrée dans l'antre des ténèbres, chez les ténébreux, vous méritez le nom là, vrai, vrai. Vous méritez le nom là, vrai, vrai, vrai. Vous êtes des ténébreux. Quand je suis rentrée dans l'œil du cyclone, comme on dit, au centre, que j'ai vu clair, j'ai vu que non, la plus bête là, c'est Pipi. C'est la plus bête de toutes. C'est toi, Pipi. Donc, la TKC avait perdu de sa... Comment dire? Parce que les soldats de la TKC étaient rentrés en brousse. Les soldats, eux, ils étaient là pour un combat. Comme il n'y avait plus ce combat-là, ils sont rentrés en brousse. Beaucoup étaient en colère contre leur leader. Mais quand ils m'ont vu avec leur leader, et ils ont vu le travail que j'ai fait sur leur ennemi de depuis longtemps, l'ennemi qu'eux, ils ont refusé de rallier là. Ils ont dit que non, on peut sortir. On peut ressortir. C'est la BS de ma pépi. C'est la BS. Donc, quelque part, il y a espoir. Voilà comment la TKC venait. Parce que ma pépi a d'un côté l'évolution dans ce qu'elle fait, dans sa carrière, dans l'humanitaire. Elle a des gens qui la soutiennent dans ce qu'elle fait. Et de l'autre côté, elle a une guerrière qui a rejoint son entourage. Donc tout était... Et puis, comme ceux-là voulaient m'exploiter pareil, parce que Pipi, elle a vu. C'est même pas Pipi qui a vu. Je suis sûre que c'est sa sœur qui a vu ce que je pouvais apporter de leur côté, l'allié que je pouvais être. Voilà pourquoi. Voilà comment elle a réussi à convaincre sa sœur de me faire venir à leur télé en pensant qu'elles allaient m'utiliser dans leur guerre. Sinon, pourquoi m'envoyer coucher avec l'ex de ma pépé? Vous-même, dites-moi. Voilà. Le live est toujours en cours. Appelez les autres, on est de retour. Le téléphone s'est éteint. Pourtant, je l'ai mis à la charge. Je n'ai pas compris. Voilà, maman. On était à 39, on est à 132. Seigneur! Qui vous a dit que je suis revenue? Qui vous a informé? Hein? Go, elle a contribué dans le truc. Vous pensez que les scarabées n'ont pas contribué aussi dans la collecte pour les orphelins? Les scarabées aussi ont contribué. Moi-même, j'ai contribué. Ceux qui tiennent le compte PayPal, ils le savent. Moi-même, j'ai contribué dans la collecte pour les orphelins. Mes scarabées ont contribué dans la collecte pour les orphelins. Demain, on va s'élever et dire que oui, on avait contribué. Donc, on va tenir les gens au chantage avec ça, comme si c'était la dette. C'est normal qu'ils contribuent. Quand ils ont contribué là, c'est pour les enfants de ma pépé. C'est pour les orphelins du Cameroun. C'est pour tout notre pays. Voilà pourquoi c'est moche que votre gune de merde là ne soit pas capable de venir féliciter ce qui est bien. On voit qu'il ne sert à rien depuis la nuit des temps sur cette toile, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui on a donné l'argent sur cette toile comme gune. Ça prouve tout son égoïsme. Ce qui me tue sur cette femme, c'est vraiment une manipulatrice. Tout le temps qu'elle fait ses vidéos, je n'ai jamais vu une vidéo de cette femme où elle ne passe pas son temps à dire comment. Je suis quelqu'un de bien. J'ai le cœur pur. Je suis une bonne personne.
Quand tu es avec moi, tu es dans la joie. Quand tu es avec moi, tu ris. Quand les gens sont avec moi, on voit que je suis... Tout le temps. Je vous mets au défi de me montrer une seule vidéo où cette femme ne dit pas ça. Quand tu es quelqu'un de bien, tu n'as pas besoin de le dire. Les gens le constatent. Ce sont les gens qui le disent pour toi. Merci Denise. Moi, ils vous disent tous les jours aussi que je suis mauvaise. Je suis en train de me placer si vous dites que je suis quelqu'un de bien. Pour faire quoi? Je vous dis que je m'aime. Si je m'aime, c'est bien que j'estime que j'ai des qualités intrinsèques. Mais je n'ai pas à venir vous imposer que je suis quelqu'un de bien. C'est à vous de voir en moi ce qui peut vous plaire. Parce que j'ai aussi des mauvais côtés. Donc, je préfère déjà vous dire que je suis mauvaise comme ça. Quand vous allez voir mes mauvais côtés, vous n'allez pas être étonné. Je ne vais pas être hypocrite. Et ces moucherons se baladent partout avec les mêmes phrases. Oh, vraiment, cette fille a le cœur pur. Vraiment, cette fille a vraiment le cœur pur. Tout cela répète ça comme la récitation. Vous êtes des zombies. Vous parlez de pas Paul. Vous êtes des zombifiés où vous êtes là. Quelqu'un vous oblige à croire qu'elle est quelqu'un de bien. Alors qu'on l'a vu partager le sang à le son des gens ici. On l'a vu détruire des familles. On l'a vu lancer le cacham sur des enfants, des bébés. On l'a vu appeler les services sociaux pour récupérer les enfants des gens. On l'a vu lancer le cacham sur moi ici. On l'a vu lancer le cacham sur Amer Kamer qui est parti en prison pour elle. Vous parlez de quoi? Je suis quelqu'un de pur. Quelqu'un de pur prend la bague soi-disant. J'insiste, on va rentrer dans son jeu. Ton ami donc soi-disant t'offre une soi-disant bague. Tu prends ça, tu jettes dans les toilettes. Sans raison. Et tu es quelqu'un au cœur pur. Tu es quelqu'un de bien. Elle est venue vous dire qu'Amère Kamer lui a offert la bague. Elle a jeté aux toilettes. Il fallait qu'elle vous dise donc pourquoi elle a jeté aux toilettes. Parce que si tu respectes ton ami, si tu aimes ton ami, tu vas pas jeter sa bague. Tu vas la lui rendre en lui disant que je n'ai pas les mêmes sentiments que toi. Je t'aime comme un frère. Et tu lui rends sa bague. Tu pars jeter aux toilettes, pourquoi? Si vraiment tu as offert une bague, explique donc aux gens pourquoi tu as mis ça dans les toilettes. Ne viens pas, je te dis que on m'a offert la bague, j'ai jeté aux toilettes, parce que tu pensais que ça allait me faire laisser mon mounienge. Toi, tu as craqué. Moi, j'avais laissé mon 53 cm pour les fantasmes qui existent dans ta tête d'égocentrique. Tu as peut-être réussi à détruire les couples des autres sur la toile. Les couples qui n'étaient pas solides. Parce qu'il y a ma vieille mère, la reine mère bio. Tu as essayé fatiguée. Elle est toujours terriblement mariée. Terriblement mariée. Et moi, je suis toujours terriblement en couple. Ne vous en déplaise. Et vous savez que quand ça va finir avec Amère Kamer, ça sera parce que nous, on a décidé. Ça ne sera pas à cause de vous. Jamais de la vie. Qui que vous soyez, ce n'est pas vous qui allez me séparer d'Amère Kamer. C'est lui-même ou moi. Ce n'est pas vous. Il dit personne d'entre vous. Personne. Personne, c'est personne, comme il dit là. Ok? Attendez, écoute d'abord la musique des gens dans mon live. Vous entendez avec quoi? Hein? Ce que j'ai entendu dans le live de Maté, j'étais choquée. Vous vous rendez compte que Lolo Pipi, c'est une faussée. Ça veut dire que vous êtes là. Moi, je n'ai pas appelé les impôts et vous dénoncer. Moi, je peux appeler les impôts. J'indique votre nom de famille. J'indique votre page. Vous avez une pièce d'identité, non? Vous avez un titre de séjour en France. Il y a votre photo dessus. Donc, on va aisément reconnaître que la personne qui est sur la photo, c'est la personne qui est en live là-bas. Et je leur dis qu'il y a une dame qui se fait de l'argent sur les réseaux sociaux. Mais elle ne déclare pas. Et elle vient nous insulter, nous, les mères battantes qui déclarent. Moi, je ne touche plus le RSA. Pourquoi? Parce que je déclare mes revenus. Parce que ce pays m'a accueilli. Que je suis honnête. Que moi aussi, j'ai eu à manger le RSA de ce que les autres travaillaient. Malgré que je travaillais. Même quand je travaillais, je touchais le RSA. D'accord? Maintenant, ce que je touche ne me permet pas d'avoir le RSA.
Et ça ne me dérange pas de déclarer ce que je gagne. Pour que les autres aussi, les femmes aussi qui ont besoin, puissent profiter aussi de mon travail. Pour cotiser ma retraite. Oui. Pour que quand je serai dans la merde là, je n'ai aucune honte d'aller voir l'assistance sociale, dire que madame, je suis dans la merde. Quand elle va voir tout ce que j'ai cotisé, ils vont m'aider. Ils vont dire que non, celle-ci, elle a un bain depuis. Elle travaille, elle est mère célibataire, elle a contribué dans notre pays. Elle nous a donné 2 enfants français qui vont travailler pour nos retraites. Elle-même, elle a travaillé pour nos retraites. Elle a travaillé, donc si elle a besoin d'aide, on doit l'aider pour qu'elle se relève et qu'elle continue d'aller travailler pour ce pays. Voilà comment j'y réfléchis. Pour que demain, quand j'aurai un putain de projet, si vraiment j'ai besoin, je me retrouve au point où j'ai vraiment besoin d'un crédit. Quand je vais aller demander le crédit, là, on va voir tout ce que j'ai cotisé. On va dire que oui, elle est crédible. On peut lui donner un crédit. Quand il dit, je vous dis souvent un truc ici. La pauvreté est d'abord mentale. La pauvreté est d'abord mentale. Quand tu es pauvre mentalement, tu ne peux jamais devenir riche. Et si tu gagnes même l'argent là, tu vas rester toujours dans les choses des pauvres, avec les pauvres. Tu ne vas jamais t'élever dans la société. Parce que, laissez-moi vous dire que, il y a les pauvres qui entrent dans les endroits où les riches ne peuvent pas entrer. Vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Je vais vous prendre un exemple. On a au Cameroun là, une bande, on les appelle les Beverly Hills. Ils sont là sur Snapchat et tout, des jeunes. Ça me rappelle ma jeunesse parce que nous on était comme eux. Il y a les enfants de pauvres parmi eux. Mais leur carnet d'adresse est violent. Le carnet d'adresse de ces enfants est violent. Il y a les enfants de riches qui partent marcher avec eux pour avoir la visibilité derrière eux, pour avoir leur carnet d'adresse. C'est pour ça que vous dites que la pauvreté est d'abord mentale. Tu peux avoir l'argent. Si tu es pauvre mentalement, tu es pauvre. Parce que tu ne vas jamais t'élever dans la société. Tu ne vas jamais être assis à la table des décideurs. Parce que tu es pauvre mentalement. Et c'est le cas de celle-là. Elle veut manger partout. Donc, où elle est là? Elle a les aides pour sa fille. Elle a les aides pour sa fille. Elle a sûrement la location pour payer moins cher l'appartement où elle est. L'APL, allocation logement. Elle a les aides pour sa fille, dont le RSA. Et elle a les étoiles. Elle fait les 1100 étoiles ici, d'après ce qu'il disait. 1100 dollars. 100 000 étoiles, c'est 1100 dollars. Elle fait ça ici. Elle n'arrive pas à s'acheter son matériel pour sa soi-disant télévision. Elle n'arrive pas à s'acheter un iPhone pour vous fournir de meilleures images. Regardez comment mes images sont claires. C'est les iPhones, mon frère. Et je n'ai pas fini. Voilà le matériel. Vous savez où votre argent part. Pourtant, je n'ai pas le RSA. Vous savez où votre argent part. Pour que j'évolue, parce que vous n'investissez pas dans le vide. Les autres là-bas nous disent qu'elles ont les maisons, elles ont les immeubles. Moi, on ne les a jamais vus en train de filmer comment le camion de sable vient verser le sable. Comment on vient verser le gravier. Jamais. Au contraire, apparemment, on les voit demander plutôt aux gens du chantier que c'est à quel niveau. Quelque chose que tu dois être informé en temps et en heure. Puisque c'est toi qui payes le matériel pour qu'on atteigne un nouveau niveau. Comment tu peux encore venir demander? Hein? Comment tu peux venir demander que vous êtes à quel niveau? Alors que tu es censé savoir. Puisque quand on te fait le devis, même quand on te fait le devis pas à pas, on peut te faire un devis global de la maison. Mais à chaque étape, on te refait un devis. À chaque étape, on te refait un devis. Quand on veut faire la dalle, on te dit que bon, on va faire la dalle, voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il faut, on te met les prix, tout. Donc, si c'est toi qui as payé, tu ne peux pas venir leur demander que qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Tu es censé savoir ce qu'ils sont en train de faire puisque tu as payé le matériel pour ce qu'ils sont en train de faire. On vous a demandé les titres fonciers ici, là, ça vous a dépassé. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'elles font avec l'argent du piment, ce qu'elles font avec tout l'argent que les gens cotisent tous les jours. Qu'est-ce qu'elles font avec? Pourquoi tu t'occupes trop de ces stars? Elles ne te gèrent pas et tous les jours tu parles d'elles. Parce que j'ai envie. Déjà, ce ne sont pas des stars.
Ce sont des opportunistes. Tu sais ce qu'on appelle star? Moi, je suis une star. Parce que j'ai un métier. Tu comprends? Leur métier, c'est quoi? Et ne me dites pas blogueuse. Elles parlent de quoi dans leur blog? Ne me dites pas blogueuse. OK? Leur métier, c'est quoi? Ce ne sont pas des stars. Moi, je suis une star. C'est pour ça que tu es sur ma page. Et je parle d'elles parce que elles sont la décadence de la société camerounaise. En tant qu'artiste, j'ai le droit, le devoir, l'obligation de me mêler. Si les autres artistes se sentent trop grands pour venir se salir dans la gadoue, moi, j'ai l'humilité de venir me salir dans la gadoue avec elles parce qu'elles ne me valent pas. Aucune d'entre elles ne me va, ne me vaut plutôt. Aucune. Donc, épargnez-moi vos conneries là. D'accord? Quand c'est sale, on lave. Quand il y a le pus dans la plaie, on doit percer, on nettoie. OK? Je suis artiste. Ne vous en déplaise. Je ne suis pas faux profil. Je suis artiste et je suis blogueuse. Je crée du contenu. Je dirais même plus, je suis artiste, chanteuse, danseuse, productrice de musique, productrice d'audiovisuel, c'est-à-dire que je produis la musique, je produis les clips, je produis une web série. Put some respect on my fucking name, ok? Je suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre camarade. Ok? Et en plus, je suis animatrice sur la web TV Amer Kamer TV. Tu entends, hein, quoi? Multi-casquette. Ce n'est pas le Bakba Joe. C'est pour ça que tu es assis ici. Sinon, tu serais ailleurs où l'herbe est plus verte. Si tu es ici, c'est parce que tu as du contenu ici. Sinon, qu'est-ce que tu fous là? Trop de casquettes. Donc, je me répète, si ce n'est pas bien rentré dans la ciboule. Je suis artiste, chanteuse, danseuse, productrice d'audiovisuel. Donc, je produis l'audio, la musique. Et je produis le visuel, les clips et ma web série. Je ne suis pas ta camarade. Tu comprends avec quoi? Je produis. OK? Avec du matériel qui est à nous. Je ne loue pas le matériel avant de faire ma mini-série. C'est notre matériel, mon compagnon et moi. C'est notre projet. OK? Notre web TV, mon compagnon et moi, avec nos outils. Et bientôt, on va payer le Starlink là. D'accord? Effort personnel. C'est l'argent que nous-mêmes, on a mis, chacun dans son activité. D'accord? Je crée des textes. J'écris des textes. Je suis auteur. J'ai oublié. Auteur, compositeur, interprète. Trop de casquettes. C'est bon? Le volume est bon? Voilà. Et ce n'est pas vous qui n'avez même pas de photos sur vos profils qui allez venir me donner mon identité. C'est ce que je fais qui parle pour moi. D'accord? Je clashais déjà ici, là. Quand Canal Plus Afrique a décidé de faire une émission, une chronique sur ma chanson Booma. Parce que mon clip était waouh! Clip que j'ai produit. J'ai produit. Je suis allée au Cameroun donner du travail aux réalisateurs camerounais. J'ai produit. J'ai payé les stylistes. J'ai payé les figurants. J'ai payé les danseurs. J'ai payé le réalisateur. J'ai payé le monteur, le metteur en scène. Tout. OK? Je crée de l'emploi dans mon pays. Il ne sert pas à rien comme vos conneries pour qui vous cotisez depuis 72 là. D'accord? Et d'autres choses que je n'ai pas envie de parler parce que moi je ne suis pas comme certains. Je ne viens pas ici pour me vanter. D'accord? On parle des choses quand c'est déjà accompli. La Web TV, on n'est pas venu vous raconter. C'est sorti, bim. La web série, je ne suis pas venue vous dire que, oh, je vais faire la web série avec Amer Kamer. Non, c'est sorti, bim. La musique, je ne suis pas venue ici annoncer que, je suis chanteuse, je vais sortir un son. J'étais déjà sur la toile avant de chanter. Je postais mes photos sur Querelle Congossa. Star depuis l'an 72. Depuis l'école primaire, je suis star. C'est dans mon sang. D'accord? Je n'ai pas besoin de venir détruire la vie des gens pour devenir star.
C'est ce que je fais. D'accord? Vous êtes là qu'on veut détruire, on veut détruire. Vous appelez quoi détruire? Parler de l'activité de quelqu'un, c'est normal. Tu fais une activité, on en parle. Moi, vous avez critiqué ici, là, ma musique. Vous avez critiqué ma prestation. Vous avez critiqué ma tenue. Vous avez tout critiqué. Vous m'avez vu parler. Au fait, allez dire à Leslie 5 étoiles qu'on attend sa fashion police sur José. Hein? Allez lui dire ça. Hein? Parce que c'est trop facile, là. On attend sa fashion police sur José et sur Roselyne Layo. D'accord. Parce que quand c'était Oshiga ici, elle s'est musclée comme ça, là, sur moi. Mm-hmm. Hey, Pokam. Donc, Pokam n'a pas encore fait. Il n'a pas encore fait la fashion machin sur les stars là. Non? Ou bien comme elle est son star plus que moi là. Elle, on peut pas trop parler. Parce qu'on sait jamais, on peut les croiser dans un couloir. Vaut mieux garder les relations au beau fixe. Voilà dans le travail des Camerounais. Hmm? Voilà le travail des Camerounais. Je vais m'arrêter là. Donc, quand vous avez, si vous les croisez quelque part, dites-leur ça, que j'attends leur fashion police aussi. Parce que c'était grâce à moi qu'ils ont eu l'idée du concept là, non? Comment ça s'arrête à moi? Il faut avancer avec. Hein? Faites à tout le monde. Ou bien, c'est aussi votre moins cher. Je ne vois pas les Camerounais trop parler. Même l'artiste qui a joué récemment là, là où on partageait les billets gratuitement partout là. Même elle, je ne vous ai pas vu critiquer cette tenue, hein? Dites quelque chose, même si vous voulez dire que c'est bien ou que c'est moins bien ou que c'est pas bien, dites quelque chose. Vous n'avez pas parlé de tenue, hein? Non, 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 non. C'est pour Oshiga. Tout ça pour vous dire quoi? Que je suis star. On ne devient pas star. On est star. Ça veut dire que ce que tu fais intéresse les gens. Ce que tu fais intéresse les gens. D'accord? Quand je sors, je m'habille, ça vous intéresse, vous décortiquez. Je n'ai pas le nombre de vues de ces gens-là. Mais eux, vous ne vous intéressez pas à ce qu'ils font autant. Ça veut dire que quand j'aurai leur nombre d'abonnés, ça va être la magie. Je n'ai pas leur carrière, mais vous me comparez déjà à eux. Donc, je suis déjà star. Ça ne chauffe pas. Je ne tremble pas. Malgré votre haine envers moi, je suis star. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un exploit. J'ai réussi à vous intéresser à moi malgré votre haine. Je réussis à me démarquer. Je réussis à faire de la bonne musique. Je réussis à m'embellir. Je réussis à m'améliorer à tous les niveaux. Je réussis à être créative malgré tout ce que vous faites. Donc, ça veut dire que je suis destinée à devenir le diamant. Parce que comme je vous dis souvent, c'est le charbon qui devient diamant sous la pression. Pour ceux qui ne savaient pas, sachez-le aujourd'hui, le diamant, c'est du charbon à la base. C'est du charbon qui a subi beaucoup de pression sous terre. Donc, qui a résisté à la pression. Et pour résister à la pression, ça devient diamant. Donc, ça s'embellit. Pour dire quoi? Que ce qui a de la valeur là, pour que le potentiel total ressorte, il faut beaucoup de pression. Donc, ce que vous me faites là, moi, ça ne peut pas me mettre en dépression. Ça ne peut pas me mettre en dépression. D'accord? Parce que c'est ce qui est censé être pour que le meilleur de moi ressurgisse. Tout simplement. Donc, que chacun fasse son travail à son poste. Les détracteurs, c'est à ça que vous servez. Vous êtes le carburant. OK? Donc, vous, votre pression, les détracteurs, ça me donne la niaque. Et la pression de mes scarabées, c'est-à-dire, je dois réussir pour eux. Je dois réussir pour tous ceux qui contribuent dans ma cagnotte. C'est une autre forme de pression. Donc, j'ai les deux énergies, négatives et positives. C'est ça qui donne l'électricité. L'énergie négative. Et quand vous regardez les piles, vous savez sur les piles, le côté plus, le côté moins. C'est ça qui donne l'énergie et qui alimente vos appareils. C'est la même chose. D'accord? Donc, vous pouvez continuer de me haïr. Ça ne me dérange pas. Parce que demain, vous allez tous venir vous aligner. Ça ne chauffe même pas. On sait comment vous fonctionnez ici. J'en ai même des gens qui s'alignent déjà. Ça ne chauffe même pas. OK? Donc, ce que j'ai entendu aujourd'hui m'a choqué chez Marthe. Que tu fraudes Lolo Pipi.
Je dois conscientiser les gens dessus. Déclarez vos revenus, même les sans-papiers. Déclarez vos revenus. Déclarez, je vous promets que ça va vous aider. Voilà une, on nous a raconté aujourd'hui. Ma Dorcas venait la faire venir au state. Elle n'a pas pu aller. Pourquoi? Parce qu'elle était incapable de sortir un avis d'imposition. Elle était incapable de montrer qu'elle travaille pour Facebook. Parce que sur Facebook, virgule, ce n'est pas sa propre, son numéro fiscal qui est rentré dans Facebook. Elle a fait le faux. Parce qu'elle ne peut pas déclarer ses aides, ses revenus pour vivre des aides. C'est-à-dire que tu as l'occasion de t'élever dans la société. Mais tu veux continuer à vivre comme une pauvre. À manger le social. C'est spirituel. Élevez-vous. Parce que je vais vous prendre ça avec une parabole que vous allez comprendre. Pour ceux qui sont allés à l'église. Pour ceux qui aiment l'église, qui sont religieux. Vous allez comprendre facilement ce que je veux dire. Vous voyez Lot et sa femme. Lot, le neveu de Abraham. Quand Abraham supplie Dieu de sauver son neveu Lot de la destruction de Sodome et Gomorre, Dieu lui dit, ok, vas-y, on va envoyer les gens, voilà. Dieu a envoyé les anges là-bas prévenir Lot et sa famille. Il leur a dit quoi? Les anges leur ont dit quoi? Sortez de la ville, ne regardez pas derrière. La première chose, première révélation du même genre, quand Dieu vient dire à Abraham que quitte ta famille, suis-moi. Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille et suis-moi. Abraham a pris Lot pour partir avec lui, un boulet. C'est pour ça qu'arrivé à un niveau, Abraham a compris qu'il devait se séparer de Lot pour prospérer. Il s'est séparé de Lot. Parce que quand tu veux évoluer, tu dois décharger des choses, décharger des gens. Comme je vous dis toujours ici, il faut voyager léger. Pour aller arriver à destination, il faut voyager léger. Ne t'encombre pas de ce qui ne va te servir à rien et qui peut même te causer du tort, qui peut t'épuiser sur le chemin. Ça, c'est le premier truc. Arrivé à un niveau, il s'est séparé de Lot. Parce que Lot était un boulet, Lot était un frein pour lui. Lot est allé là-bas dans la ville où il est parti, ça s'est passé comme ça s'est passé. Dieu a prévenu Abraham que je vais brûler la ville là. Abraham supplie Dieu que pardon, épargne mon neveu. Dieu dit, ok, pour toi, je vais l'épargner. Dieu envoie les anges là-bas. Les anges sont arrivés là-bas. Ils ont été reçus correctement par Lot et sa famille. Ils ont dit à Lot, donné la révélation à Lot que tu dois fuir avec ta famille. Et quand vous allez fuir, voici la seule recommandation. Vous courez, vous regardez devant. Vous ne vous retournez pas. Vous courez, vous regardez que devant. Vous ne vous retournez point. Le moment venu, Lot a pris sa femme, ses filles. Il n'avait que deux filles. Ils ont couru, non? Sa femme s'est retournée pour regarder derrière. Et vous connaissez la suite. Elle s'est transformée en statue de sel. Et elle est calée là. Et sa famille n'a pas pu se retourner pour la regarder. Ils étaient obligés d'avancer seulement. C'est quoi la révélation dans ce truc? Quand on veut t'élever, quand tu veux aller vers un avenir meilleur, ne te retourne pas. Tu ne peux pas avoir les pieds dans le futur et un pied dans le passé. Ça veut dire que tu n'es nulle part. C'est-à-dire quoi? Tu as l'impression que tu vas continuer de manger l'argent du RSA. Tromper, tu crois que tu trompes l'État parce que tu manges l'argent du RSA. Tu ne déclares pas tes revenus et tu manges l'argent du RSA. Mais c'est spirituel. Parce que le RSA a été créé pour les démunis. C'est spirituel. L'intention dans laquelle ce truc a été créé, cette allocation, c'était pour aider les pauvres. Donc, continuer de bouffer le RSA alors que tu n'es pas pauvre, c'est dire à ton cerveau que tu es pauvre. C'est dire à l'univers que tu es pauvre. C'est choisir de rester dans la pauvreté alors que de l'autre côté, tu gagnes de l'argent qui te permet de t'élever. Tu penses que tu es en train de tromper l'État. Mais c'est toi-même que tu es en train de tromper. Exemple simple, on a voulu la faire partir aux États-Unis. Elle n'a pas pu partir parce qu'elle ne pouvait pas fournir les documents pour y aller en tant que blogueuse. Pourquoi elle ne pouvait pas les fournir? Parce qu'elle ne déclare pas ses revenus.
fin. Ce qu'elle aurait gagné en allant aux États-Unis, si elle partait une fois, elle devait partir tout le temps. OK? Si elle était allée une seule fois, on l'aurait encore invitée plusieurs fois et pas qu'aux États-Unis, partout. Donc, en voulant trop manger, en pensant que tu es en train de trop faire l'état, c'est toi-même ta vie que tu es en train de maintenir sur place. Parce qu'on peut te donner tout l'argent du monde. Si tu es bête, tu ne vas rien faire avec. Ce n'est pas combien tu gagnes. C'est comment tu gères ce que tu gagnes. Et vous avez vu comment elle gère cette femme. Incapable d'investir dans quoi que ce soit qui va lui permettre d'évoluer. Elle gagnait déjà l'argent sur Facebook, mais elle allait commander l'argent à la première dame pour ouvrir une soi-disant boutique. Incapable d'investir elle-même sur elle. Elle vient nous dire comment elle n'a pas besoin de construire parce que son père a construit une maison où, à laquelle tes frères, tes sœurs ont droit. Tes frères ont droit autant que toi, d'après la loi. La maison ne t'appartient pas. Et tes frères ont accouché. Toi, tu n'as pas d'enfant. Les autres ont accouché. Comment peux-tu compter sur un truc où tu n'auras même rien à la fin? Vous avez parti, vous entassez vous tous là-bas. Voilà donc comment vous avez investi dans le néant. Vous tous, les loulous manioc, vous avez investi dans le néant. OK? Oui! Donc, moi, je me sers de ces expériences-là qui se retrouvent sur la toile. Je ne suis pas allée fouiller. Ça s'est retrouvé ici, sur la toile. Je ne suis pas allée fouiller quelque part. Bonsoir, Sylvie Bakop. Ça s'est retrouvé ici. Je ne suis pas allée chercher. Donc, j'utilise ce qu'il y a dans l'actualité pour vous sensibiliser sur les choses spirituelles. Voilà ça que je viens de faire. Toi-même, tu me suis, non? Les gens qui te suivent, toi-même, tu me suis, non? Jusqu'à tu partageais comme était lave un jour. Maintenant, c'est que les gens qui te suivent ne me suis plus. OK? Ne me suis plus. Je continue. Ne faites pas ces erreurs-là. En voulant gagner partout, là, vous allez perdre. Quand la vie te permet de t'élever, là, respecte la vie. Respecte l'univers. L'univers te permet de t'élever pour que tu laisses la place de pauvre là à quelqu'un d'autre qu'on va soutenir. Mais toi, tu veux manger à la place de quelqu'un. Et tu veux manger aussi à la table des riches. Et tu veux manger ce qu'on pouvait donner à un pauvre. C'est spirituel. Tu perds. Tu perds. Parce que c'est à cause des comportements comme ça que la France est en train de serrer. Ils veulent retirer les allocations aux immigrés. C'est à cause de ce genre de comportement. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ce genre d'abus. Sinon, les Blancs aussi abusaient. Mais nous, on n'est pas chez nous. Donc, ils se vengent que sur nous. Parce qu'ils ne peuvent pas faire ça à leurs frères. C'est leur pays. Est-ce que vous comprenez? C'est leur pays. Donc, en faisant ça, ça retombe sur nous tous, toute la communauté. On appelle ça l'effet papillon. Ce que toi, tu penses que tu bouffes ces petits-là, voilà l'effet que ça cause. Voilà l'effet que ça a. C'est comme ça que j'étais sortie aussi sur une gune qui partait à la CAF avec sa mère. Elle nous dit clair, après toutes les cotisations que vous faites pour sa mère tous les jours, elle vous dit comment? Oh, quand tu pars à la CAF, tu dois attacher le pagne, tu dois aller comme une pauvre. Tu ne pars pas en voiture, tu laisses ta voiture. Quand tu pars à la CAF, je dis regardez. Vous ne savez pas que les niais sont sur la toile ici avec nous. Vous ne savez pas qu'il y a des services qui sont là pour suivre tout ce qu'on fait sur la toile, suivre les comportements des différentes communautés. Vous pensez qu'ils sortent leur loi là-dedans? Ils vous étudient sur la toile. Les réseaux sociaux sont le meilleur moyen maintenant d'établir leurs statistiques. Ils n'ont plus besoin d'envoyer les infiltrés au milieu de nous. Ils viennent sur les réseaux sociaux, ils nous observent et ils savent comment vivre. Et vous dites qu'on ne doit pas parler. Parce que oh, tu es artiste, oh, tu es blogueuse, tu ne dois pas parler. Je dois parler. Parce que si vous ne voyez pas l'effet que ça a sur toute la communauté, moi je vois. Nous sommes tous surveillés. Ne pensez même pas. Tous les États, ils étudient les comportements des populations sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez donc? Et on ne doit pas parler. Parce qu'on va dire que, elle ne te calcule même pas. Toi, tu as son temps. Il y avait un calcul. Allez, chiolac.
Je calcule. Venez m'empêcher de calculer. Quand tu allumes ta caméra, c'est pour qu'on te calcule, non? Si on ne les calculait pas, vous allez les considérer comme des stars. Vous les considérez comme des stars parce qu'il y a certains qui les ont calculés, parce que vous-même, vous les calculez. Vous les calculez, vous calculez alors. Vous les défendez, vous cotisez pour eux, ils vous calculent. Elles vous calculent. Elles ont déjà reversé quoi pour leur prochain? Elles ont déjà contribué dans quoi? Dans quoi? Moi, les pygmées, quand ils prient, quand les pygmées font leurs choses là-bas, ils pensent à moi. Parce que j'ai financé toute une école primaire, 2 ans, là-bas à Bakar. Les traces sont là. Et je l'ai fait sans venir me vanter ici. Je vous ai seulement filmé comment je suis partie danser avec eux. Sinon, tout est là. Les traces sont là. Ça ne manque, ça ne chauffe pas. OK? Je n'ai pas fait ça pour le match vu. J'ai fait parce que je respecte ce peuple-là. Parce que pour moi, ce sont les plus anciens de nous. Dont leur doigt du respect. Je suis allée voir comment ils vivent. Je suis allée dormir avec eux. Je leur ai apporté ce que je pouvais. Des chaussures, des casseroles pour se faire à manger parce qu'ils marchent pieds nus. Tout un clan. Je ne suis pas venue demander de l'aide à quelqu'un. Parce que c'était ce que j'avais envie de faire, moi. Le jour où je viens ici me placer, faire la pub, c'est que je veux que vous participiez aussi. Comme ça, ça fait beaucoup pour partir faire quelque chose. C'est là que je vais venir faire la pub. Mais j'ai fait ça pour moi. Pour moi. Ma manière de leur rendre hommage. Parce que ce sont nos ancêtres. OK? Tout simplement. C'est les mêmes qui sont les mêmes bandes. Oh, on était calculé pas. Mais dans vos groupes, vous passez le mot, faites des lives pour saboter ma cagnotte. Vous avez changé mes soi-disant photos. Non, ça c'était mes photos par contre. Mes soi-disant vidéos, mes soi-disant tout ma nudité, soi-disant d'après vous. Vous êtes partagé ça, non? Là, vous me calculiez. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas vous qui décidez quand j'arrête de vous calculer. Nous, on dit que quoi, fabriquer. Toi, tu peux fabriquer qui? Tu as fabriqué qui, on a vu? Gune, tu as fabriqué qui? La seule qui a fabriqué ici, là, c'est compresseur. On a vu. Ta âme sœur que tu as là aujourd'hui, c'était ton ennemi. Pourquoi? Parce que c'était une lieutenant de compresseur. C'est une fabrication de compresseur. Donc, vous deux, vous êtes devenus les chindas de compresseur. Parce que toi, maintenant, celle qui était la chinda de compresseur est devenue ton égale. Donc, vous êtes deux chindas. De toute façon, en ce moment-ci, celle qui coiffe toutes les blogueuses, c'est là. C'est compresseur. C'est la seule qui passe à la CIA TV. Et moi aussi, d'ailleurs. Mm-hmm. Sauf que moi, elle passe à la CIA TV en tant que chanteuse. OK? Et depuis longtemps... Oh, Sylvie, ma compo, tu vas faire pleurer les gens. Oh, les mises de toi qu'on donnait à Lolomani. Oh, les pleurs. Merci, oh, Sylvie. Merci beaucoup. Hein? Moi, je passe à la CIA TV en tant qu'artiste depuis longtemps. Mange boum. Canal 2, depuis longtemps. OK? La seule blogueuse qui est passée à la télé. Télé nationale que nous tous. On a tous vu. Nous tous. On a Macam. On a donc Siam. C'est ma pépé. Pas une fois. Pas une seule fois. Et le blogueur qui passe à la télé au Cameroun. C'est mon compagnon. C'est le Nyandom. Ça ne chauffe pas. Quand il voit les crignes comme vous ici là. Insultez mon gars. Les totos comme vous. Vous pouvez parler à mon gars, une sommité dans son village. Quand il voit les moucherons qui parlent, vous appelez la connasse la mafo. Elle est mafo où? Elle est reconnue où? Elle peut s'asseoir à la table avec les chefs. Elle peut entrer dans le lacam. Vous savez c'est quoi mafo? Arrêtez de salir les emblèmes des Bamileke. Arrêtez de salir notre culture. OK? Merci maman. Nous sommes à 3900, pardon, comblé. J'aime les chiffres ronds, s'il vous plaît. Ne laissez pas Sylvie Mbakop travailler seule. D'accord? Amichou,
Si tu veux me faroter, viens me faroter sur Facebook. Sur Facebook, là, quand vous envoyez, on touche la totalité. Sur TikTok, c'est la moitié qu'on touche. Où? Ingne. Tu es ma faute où? Moi, mon gars, un bon bof, fils de chef. Conseiller de son père. Ça ne chauffe pas. C'est factuel. Tu es allé là-bas, non? Tu as confirmé, non? Et tu laisses tes moucherons. Tu laisses tes moucherons venir manquer le respect à tout un bon bof. Par exemple, ce mélange ici. Moi-même, je suis à la chefferie. Allez demander à Thérèse Tchamaleu. Je suis princesse à Balou. D'accord? C'est-à-dire, un arrondissement. Oh, mon Thérèse. Oh, non, c'est Sylvie. Oh, oh, je suis à mélanger. Encore qu'on a su ma tête. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Qu'on a su ma tête. Que quelqu'un mette 100 là. Que quelqu'un mette 152 étoiles. Tapez 152 pour que ça donne un chiffre rond. Oh, merci Sylvio. C'est moi. C'est mon jour aujourd'hui. Oh, c'est gâté. Oh, c'est gâté. C'est mon jour. Demandez. Thérèse Tchamaleu est de mon village, non? Qu'elle aille demander. Elle doit savoir. Qu'elle demande à sa famille. Qui est mon père, le docteur Ngaleu? Et elle va vous dire, elle va vous confirmer que pas les gens qui viennent parler pour parler ici, là. Je suis une princesse chez moi. Donc, quand elle vous voit dire du n'importe quoi, elle dit que si on se retrouve à l'ouest, là, c'est Gune qui va faire comme ça, là. Hein? Devant moi. C'est elle qui va taper la main, faire comme ça, là. Devant moi. Parce que moi, c'est le sang bleu. En vrai. Pas les choses que vous avez inventées ici sur la toile. D'accord? Vous croyez que mon gars et moi se mélangent pour rien? La royauté reconnaît la royauté. Je vous dis quelque chose. Même les abeilles qu'on reconnaisse la royauté. C'est pour ça qu'elles sont toujours ici là. Elles peuvent tourner, tourner comme le mauvais esprit. Elles sont toujours ici là. Même à la fenêtre, elles sont toujours là. Toujours à s'occuper de moi. C'est pour ça qu'elles ne vous bloquent pas. Parce que vous allez venir vous aligner. C'est comme ça. Ok? Une abeille, les vraies abeilles, ne peuvent jamais piquer quelqu'un qui a le sang royal. C'est spirituel. C'est comme ça. Donc, you don't have the choice, bitches. Je vous ai dit qu'elles sont là, on voit les têtes de mort. Elles vont aller où? You gonna bow down. You have no choice. No choice. Ok? Voilà. Donc, les gens qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de pedigree, qui ne connaissent même pas d'où ils sortent là. Ok? Vous ne pouvez rien créer. Que le nombre d'abonnés, le nombre de vues, arrête de tromper les gens. Ce qu'on veut là, c'est des vraies actions. C'est la valorisation de notre pays, la valorisation de notre culture. Ce que ma Pépé fait, c'est louable, c'est à applaudir. Et si vous vous rappelez, quand j'avais clashé Maa Dorcas les premières fois, lui avait dit quoi ici? Que quand tu es arrivé ici là, tu faisais dans l'humanité, c'est où? Si vous vous rappelez, et vous êtes toujours quand même quand il clash quelqu'un, je ne clash pas dans le vent. Je suis toujours dans l'évolution. Même quand je clash quelqu'un, je suis dans l'évolution. Je veux l'évolution. Je prône l'évolution. Parce que je ne pense pas qu'à ma petite personne. Je ne suis pas nombriliste. Je sais que si ma communauté grandit, si ma communauté évolue, par ricochet là, ça va se répercuter sur moi. C'est comme ça que je réfléchis. J'avais demandé à Maa Dorcas que tu es arrivé ici là. Avec les trucs humanitaires. Tu as quel niveau avec? Demandez-lui. Elle m'avait répondu dessus. Je suis pour l'évolution. Chacun a ses défauts. Mais on doit faire des choses qui vont servir à la multitude. Celle-là fait quoi qui sert à la multitude? Celle-là font quoi? Quoi? Depuis que vous mettez les 100 000 étoiles là-bas, combien on a allé donner à la reine galloise dedans? Combien on a donné à une œuvre caritative dedans? Combien? Je ne suis pas dermatologue. Oh, moi, la saleté qui vient parler. Encore toi dans mon live. Une déchet comme toi. Toi, tu vis dans la rigole. Toi, tu vends ta marchandise, il y a la rigole qui passe à côté. Tu viens parler des choses des gens qui sont en bain. Toi, tu vas mourir là-bas au pays où tu es là. Tu vas mourir crevé de faim là-bas, dans l'obscurité. Même ton enterrement va se faire dans le noir, si Enéo est fâché.
Tu viens parler à qui? Vous allez un peu taper, te faire la plus bonne job. Elle est là tous les jours sur mes pages avec tes vieux seins qui sont versés. Hein. Ça dit, regarde ta photo de profil. Ça pue la pauvreté. Et tu viens me parler des boutons. Mon gars, les boutons, ils mangent plus que toi. Ils peuvent piner toutes les filles de ta famille réunies pour la bière. Pour la bière, mon gars peut aligner tout l'intérieur. Toi, il ne peut pas te toucher. Parce que tu sens mauvais à distance. Quand on te regarde là, ça se voit que tu fouettes. Parce que tout ta chair qui déborde partout sur toi, là, dans la chaleur, là. Regarde comment tu es habillé. On sent que la chaleur, les bouffées de chaleur peuvent te tuer. Toi, comme ça, mon gars ne peut pas te toucher, même avec ses boutons. Mais il aligne toutes tes nièces avec un biais de colo. Elles vont toutes s'aligner. Quand ils regardent la pauvreté dans laquelle tu vis. Mais tu es sur la toile en train de parler aux gens qui mangent trois fois par jour. Les gens qui prennent l'avion. Ce que tu ne vas. Un moyen de transport, tu ne vas jamais savoir à quoi ça ressemble où tu es assise là. Sois un peu sérieux. Sois un peu sérieux de temps en temps. Merci Ramsey. Amichou. Sois un peu sérieux. Les gens ont parlé, toi aussi tu as parlé. Faut savoir avoir pitié de vous, hein. Si tu viens parler des boutons de mon gars, il suce les boutons là. Pion. Tu as compris, non? Au moins, il ne meurt pas de faim. D'accord? Quand je sors là, c'est lui qui porte mon manteau. Quand j'ai mal aux pieds, c'est lui qui enlève mes chaussures, pas chercher mes sandales dans la voiture pour venir me donner. Voilà. Tu as ça? Toi, tu as ça? Toi, tu es obligé d'aller vendre à côté la rigole comme tu vends là. S'il y a même l'homme dans ta maison. Pour venir donner à manger un vieux croulant qui va rentrer avec tout l'alcool là monté sur toi, la binda dans le lit en ressort. Et puis dès qu'un djembe il descend, c'est bon là. Toi, si tu as un djembe, on est au courant. Si vous étiez les femmes heureuses, vous ne seriez pas là sur la toile en train d'insulter les gens que vous ne connaissez pas. Moi, me chamaille avec mes collègues. Ce sont mes collègues sur la toile. Toi, ton rôle dans ça, c'est quoi? Voilà toute la maman de quelqu'un, sûrement la grand-mère de quelqu'un. Toi, voilà sur la toile en train de chamailler avec une belle fille. Il y a une belle femme comme toi, comme moi là dans ta famille? Il y a une seule benga comme moi là dans ta famille. Ça n'existe pas. Hein? Alors, c'est à ta place. Voilà. On est même où là? Ramsey, j'espère que tu utilises mon arbre à lien pour acheter les étoiles moins chères. Quoique comme tu es là-bas, dans les pays outre-Atlantique là, je crois que c'est pareil pour vous là-bas. Même si vous payez comment vous. Ah, si vous payez quand même vous payez quand même les comment on appelle, c'est les taxes ou c'est quoi là. Vous payez quand même ça pour Apple Pay, Google Pay. Donc pour ne pas payer les frais de Google et de Apple, tu peux cliquer sur mon arbre à lien. Tu cherches, c'est écrit acheter les étoiles moins chères. Là-bas, c'est 30% moins cher. Voilà. Vous parlez à qui? Il n'y a que les vendeuses de piment qui peuvent soutenir une gnue. Il n'y a que ça. Parce qu'elle vous a donné un peu de valeur sur la toile. Elle est venue valoriser le piment. Et si ça vous a donné l'impression que c'était quelque chose qui avait le droit d'exister sur la place publique. Voilà d'où tout cet amour est sorti. Voilà les gens qui la soutiennent. Les vendeuses de piment et la communauté LGBT. Parce que les LGBT, comme ils sont maltraités là, eux même si tu fais quoi? Même si tu es mauvais, même si tu es comment, ils vont seulement te soutenir quand tu les représentes. C'est tout. C'est tout. Regarde un peu. Tu me dis comme si c'est les mêmes prix. Quand tu achètes directement ici ou quand tu passes par le lien là, dis-moi si ça facture pareil. Comme ça, au moins, je saurai. Pour mon info. Voilà. Là où je travaille, je m'informe. OK. Je vais savoir comment ça se passe. Et il manque 53 étoiles pour faire un chiffre rond. Tu vois, non? Tu guettes là-bas. Tu me sèmes même 53 étoiles. Tu écris 53. Il y a où c'est écrit personnalisé. Là, tu peux mettre toi-même le nombre d'étoiles que tu vas envoyer. Ouais, je n'aime pas les chiffres un peu comme ça, là. Maintenant, là, il y a 5447. Voilà, si tu mets 53, au moins, ça va faire 5500. Au moins, c'est rond. Voilà. On veut l'évolution. On veut l'évolution. Si vous partiez vendre votre piment, là, et qu'après, vous venez sur la toile ici, là, vous prenez des choses positives. Vous faites des dons. Vous faites des choses du contenu instructif, productif. Qui allait partir? Moi, personnellement, je n'allais pas m'intéresser à savoir si vous vendez piment ou si vous ne vendez pas. Je n'allais pas chercher à m'intéresser, non. Ben, ça, c'est votre vie. Mais vous prenez le piment dans la rue, vous l'amenez sur la toile.
Jusqu'à l'autre, tu viens nous dire que oui, sa tante a escroqué les gens, que c'est ça la vie. Si tu n'es pas wise, on t'escroque. Sans gêne. Et nous, on doit avaler ça. Voilà les valeurs que une connasse qui dit que oh, elle est présentatrice de télé. Voilà ce que quelqu'un vient dire en live. Pardon, trouvez-moi une nouvelle esthéticienne. Hein. Voilà. Parce que l'autre ne me répond plus. Comme c'est une lolomanioc, elle ne me répond plus. Donc, trouvez-moi une nouvelle esthéticienne, s'il vous plaît. Je veux une esthéticienne qui fait du micro-needling. Pas, parce qu'avant, moi, j'allais chez les Yves Rocher, dans les instituts, là. Et c'est limité ce qu'ils font. Ils font juste des soins, c'est superficiel. Je veux des trucs, on utilise des appareils spécifiques et tout. Ah, pardon, je ne te lis même pas. Tu as braillé là-bas, je ne lis même pas ton commentaire. Voilà, c'est vu. Et ignoré, non lu. Donc tu tires à blanc. C'est moi la star. Tu t'assois, tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Tu n'as pas le choix. Ok, moi je ne te lis pas. Ben, tu n'es personne. You be nobody. C'est moi qui fais la loi. Tu as assis là et je ne te bloque pas. Tu vas rester écouter et souffrir. Et puis tu vas travailler. Tu vas écrire jusqu'à ce que l'encre va finir même dans ton téléphone. Voilà. Et personne ne va lire. C'est ça qui est ça. Ramsey, c'est comment? Tu as l'info? Voilà. Donc, il n'est jamais trop tard, Maté. Mieux vaut tard que jamais, comme tu disais. La grandeur, c'est savoir reconnaître qu'on s'est trompé. C'est ça la grandeur. Donc, félicitations à toi. Voilà. Au moins, tu reconnais. Et puis, Maté dit que je vais jamais la signaler. Pour ma musique. Waouh, Maté, il ne peut pas faire ça. Il t'avait dit ici, quand tu venais souvent m'insulter, c'est la maman, mais il t'avait dit que depuis qu'il sait qu'on est du village, il ne peut pas te chasser. Tu vois, on va seulement se supporter, on va se clasher là, et puis on va régler ça au village. Parce qu'on n'est pas nombreux. D'accord? On n'est pas nombreux. Donc, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'attends que tu me dises, oh, Ramsey, comment c'est? On va décaler sur TikTok. Retrouvez-moi sur Oshi. Cherchez Oshi, Oshi, sur TikTok. D'accord? Parce que mon compte Oshiga, mon compte principal, est banni là actuellement jusqu'au 19. Donc, retrouvez-moi sur Oshi, c'est mon deuxième compte. Et puis, c'est important que vous soyez abonné également là-bas. En cas de justement quand j'ai des problèmes comme ça là sur le compte, au moins là-bas on peut se retrouver. Donc voilà. Je vais couper le live. 145 étoiles chez toi, 4 dollars et 11 quand je prends normal, c'est 2 dollars et 4. Ah ouais. Donc, vous là-bas qui êtes en Outre-Atlantique, alors c'est mieux pour vous. Je comprends pourquoi les gens. Je comprends pourquoi les gens des États-Unis et du Canada, eux, ils sont bien, ils envoient bien les étoiles. C'est beaucoup moins cher pour eux. Regardez, même avec mon arbre à lien, qui est 30% moins cher pour nous en Europe, c'est 4 dollars et 11 centimes, et 1045 étoiles. Par contre, quand elle achète normalement, elle paye 2 dollars et 99. Pour 145 étoiles. Donc, ça veut dire que ceux des States et du Canada payent moins cher sans passer par mon arbre alien. Si j'ai bien compris, c'est ça, hein, Ramsey. C'est ça, non? Tu confirmes que c'est j'ai bien compris? Hein? Tapotez le live sur TikTok, s'il vous plaît. Il reste 53 mâts. Donc, même si tu veux ajouter encore plus, il faut qu'il y ait 53. Si tu veux mettre 100 étoiles, mets 153. Si tu veux mettre 200, mets 253. Il y a le 47 là qui me dérange. Lui, il a dit que j'ai bien compris. Donc, c'est bien ça. Donc, ceux qui sont aux États-Unis et au Canada, maintenant, je le sais. Je vais préciser souvent. Vous n'avez pas besoin d'acheter sur mon arbre à lien. C'est plus cher sur mon arbre à lien. Waka, elle a mis 100, mais 53.
Va dans personnaliser. Tu vois, non? Il y a les propositions et il y a où c'est personnalisé. Tu cliques sur personnaliser et tu mets maintenant, tu tapes toi-même le nombre que tu vas envoyer. Mets 53. Il y a le 47 là qui me dérange. Je veux que le 47 là saute. Donc, si tu mets 53 étoiles, ça va faire 5600. Est-ce qu'on peut tapoter sur TikTok, s'il vous plaît? Parce qu'on va descendre et rester sur TikTok. Je vais trouver la solution pour la musique, là. Sur TikTok. Ouais, les gars, abonnez-vous à mes TikTok. Sur TikTok, moi, je fais la musique. Je chante, je danse, je fais de l'entertainment, du divertissement. C'est mon travail. Donc, je chante mes chansons et je chante également les classiques, les chansons que vous avez aimées. Que ce soit les chansons africaines, françaises, américaines et tout ça. Tu ne vois pas personnaliser. Il n'y a pas un truc où tu peux toi-même mettre le nombre d'étoiles que tu veux. Il y a personnalisé, ma. Il y a personnalisé. Il n'y a que 45 que tu vois. Hein. Ouais, ça va toujours décaler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous mettre les 53 étoiles là? Il y a 50. On ne peut pas mettre 3 étoiles. C'est minimum 50. Donc, on ne pourra pas. Il y a personnalisé. Maintenant, comme mes deux téléphones sont occupés, j'allais fouiller et te montrer. Attends, est-ce que je peux faire ça ici? Est-ce que je peux faire ça avec mon TikTok? Non, c'est pas grave. Peut-être ceux qui vont arriver après vont compléter. C'est pas grave. Merci, mon bébé. C'est pas grave. Donc, merci pour les partages, à tous ceux qui ont partagé. N'oubliez pas ma cagnotte, les gars. J'aime oublier parler de ma cagnotte quand il y avait beaucoup de monde. Waouh, Oshiga. N'oubliez pas ma cagnotte, les gars. Pour ceux qui veulent contribuer à la sortie, la promotion de mon album, n'oubliez pas ma cagnotte. Ceux même qui veulent me voir sortir des clashs et tout ce que vous dites là, si vous voulez vraiment me voir sortir de tout ça, il faut aussi la cagnotte. Parce qu'une fois que ma musique, je serai à fond dans la musique, je n'aurai plus le temps de venir faire des lives. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Je vous attends. Peu importe votre contribution, il n'y a pas de petite contribution. Je ne simplifie aucune contribution. Donc, ne vous sentez pas gêné. Ne vous dites pas, oui, ce que je vais mettre est trop petit. Non, 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 il n'y a pas de ça. D'ailleurs, vous pouvez même cacher votre contribution. Si vous ne voulez pas que les gens voient combien vous avez mis, vous pouvez cacher votre nom également. Et vous pouvez contribuer, même ceux qui sont au pays peuvent contribuer, ceux qui sont en Afrique, à travers les portefeuilles mobiles, vous pouvez contribuer avec PayPal, par carte bleue, etc. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Vraiment. Ramtse, Sylvie Bacop, vraiment qui m'a gâté. Denise Sunshine, Norbert, Boma, Patricia, ma milliardaire, Justine, Jenny Freezer, Valoche Gang, et voilà. Ouais, il y a eu beaucoup de personnes qui ont contribué aujourd'hui. J'aime quand il y a beaucoup de personnes qui contribuent. Voilà, je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour une autre analyse de l'actualité ou bien traiter juste d'un sujet, voilà, qui me parlera. Likez et partagez notre web série, les gars, s'il vous plaît. Cliquez sur mon arbre à lien. Abonnez-vous partout. Instagram, c'est très important. Abonnez-vous à mon Instagram. J'ai besoin d'atteindre les 1000 abonnés là-bas pour commencer à faire des lives. Pareil, là-bas, je ferai des lives uniquement professionnels. Donc, abonnez-vous là-bas pour mes meilleures photos, mon contenu professionnel et tout. Abonnez-vous sur mes chaînes YouTube. Abonnez-vous sur mon TikTok. Également, mon TikTok Oshi. O-S-H-I. Abonnez-vous partout. Je compte sur vous et je vous embrasse très fort. À demain.